Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis à Hawaï. À Maui, pas seulement Hawaï, mais l'île magique de Maui. C'est vrai qu'elle est belle cette île. C'est vrai. C'est une des plus belles parties d'île qui s'appelle Wailea. C'est correct, elle est juste en face de chez nous. Nous sommes à Maui Meadows. Ouais. Et toi, tu es haïtienne? Oui, d'origine haïtienne, mais j'ai vécu un petit peu partout dans le monde. Et maintenant, je suis devenue hawaïenne, ouais, puisque j'habite Maui depuis maintenant 3 bonnes années. Quel bonheur. Là, nous sommes sur la terrasse de Mimi. Ouais. Et c'est absolument délicieux. J'ai rencontré Mimi il y a à peu près un an. J'avais fait cette vidéo sur l'infidélité, puisque tu as écrit un livre, Offense et pardon. Et depuis, bah, cette vidéo a fait un petit peu le tour de la planète, surtout de la France. Grâce à ton juicy tour, c'est vraiment extraordinaire l'exposure. J'ai été exposée à tous ces francophones qui m'ont écrit du Canada, de la Martinique, de la Guadeloupe. C'est formidable. Vraiment, Lilou, tu fais un travail extraordinaire. Je suis tellement contente que tu as pu revenir à Maui, me visiter et parler un petit peu ce que tu fais, ce que je fais. Voilà. C'est ça qui est agréable, c'est d'échanger, c'est de rencontrer des personnes qui sont un peu sur ce même niveau vibratoire, si on peut dire, enfin en tout cas sur la même longueur d'onde. Voilà. Et nous sommes sur la même longueur d'onde. À Mimi, quand elle se réveille, on est pareil, on est pleine de joie, de bonne humeur, on a envie d'échanger, on a envie de partager, j'adore. Je dis toujours que les premiers mots qui me viennent à la tête le matin, à mon réveil, c'est merci. Le mot merci est magique. Je le répète, je souris et plus je dis merci, plus je reçois des bénédictions. C'est comme ça. Je rencontre des gens sympas, je me promène à la plage, on s'est promené, Lilou et moi, il y a 2 jours de ça, et je dis bonjour à tout le monde. Je leur parle en espagnol, en anglais, en français. C'est formidable parce que parfois juste un sourire peut changer la journée de quelqu'un. Quelqu'un qui a l'air morose, tu leur parles, ils sont heureux de voir quelqu'un qui est heureux. C'est contagieux, quoi. Oui, oui, oui. Je pense que le bonheur, c'est contagieux. Oui, si vous venez à Maui et si vous marchez le long de Wailea, c'est sûr que vous allez rencontrer Mimi qui va vous prendre une photo, qui va vous demander « Non, c'est un petit peu plus comme ça, plus sur la droite. » C'est génial. C'est vrai que c'est contagieux. Ta bonne humeur est contagieuse. Merci. C'est parce que je suis vraiment la femme la plus heureuse que je connaisse jusqu'à présent. Malgré les difficultés, hein, parce qu'on en avait parlé dans ton livre d'ailleurs, parce que il y a eu quand même une grosse histoire, quelque chose d'assez difficile à traverser, même traumatisant. Et tu l'as. Raconte-nous un peu cette histoire pour qu'on puisse un peu se passer. C'était l'infidélité. L'expérience que nous avons eue, c'est que mon mari s'est amouraché d'une autre femme, il a eu un bébé avec elle, et c'est un truc pour lequel je n'étais pas du tout prête, mais à cause de ma nature, qui est optimiste, je suis surmontée cette très très mauvaise époque de notre mariage, et aujourd'hui, vraiment, notre relation est excellente. On est bons amis d'abord, on est amants et ensuite nous sommes conjoints. Donc je parle très souvent à mon mari en tant que juste mon ami. Et je crois que c'est un des secrets que nous avons, qu'on doit être franc l'un avec l'autre. Je demande toujours l'honnêteté. Et c'est ce qui nous a aidés à sauver notre relation, c'est que nous avons été à 100% honnêtes. Je n'ai aucun secret pour lui. Tu sais que j'ai eu un petit secret parce que c'était au sujet de ce tableau que je me suis acheté récemment, sans le lui dire, comme il n'est pas avec moi ici jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'ai voulu garder ce secret pour moi jusqu'à sa prochaine visite. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu parce que ça m'échappe. La vérité sort toujours. Pour moi, il faut vivre dans la vérité. Ouais. L'honnêteté, ce sont des qualités essentielles pour la réussite d'un couple. Alors, pour le pardon dont je parle dans mon livre, comme j'ai dit la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'est naturel pour moi de pardonner parce que c'est comme ça que j'ai été éduquée. Maman nous a toujours dit de pardonner. Donc pour moi, ça a été relativement facile, mais je comprends les gens qui tiennent sur leur cœur un ressentiment, une rancœur. Et je leur dis, c'est à vous que vous vous faites du mal. La personne à laquelle vous ne pardonnez pas, elle s'en fout. Elle est déjà partie, elle fait autre chose. Et vous gardez ça peut vous causer une maladie,
un ulcère. Et j'encourage les gens à ouvrir leur cœur, faire rentrer la prière, parce que la prière, c'est vraiment le baume essentiel. Pour guérir, il faut savoir prier. Ça ne veut pas dire se mettre à genoux et réciter le « Je vous salue Marie » 18 fois. C'est parler à son être suprême, cet être suprême qu'est notre Créateur. Lui parler directement et demander de l'aide. L'aide est là, mais il faut la demander. Nos anges gardiens, ils sont là, mais il faut qu'on leur donne un signe. Il faut qu'on leur dise « J'ai besoin d'aide ». Et une fois qu'on a pu exprimer clairement ce dont nous avons besoin, ce que nous désirons, l'aide va venir. Elle va venir. Moi, j'ai une confiance extrême en la prière. Je dis, on doit ouvrir son cœur et inviter la lumière divine à venir en nous. Et une fois qu'on a cette lumière divine en nous, on peut à ce moment la partager avec d'autres qui en ont besoin. Nous sommes comme des porteurs de cette lumière divine. Moi, je la sens parfois. Je la vois chez certaines personnes comme toi, Lilou. Tu as cette lumière autour de toi. Je te vois briller comme ça. Et je ne suis pas la seule qui le remarque. Tu as des milliers de personnes qui bénéficient de ce que tu fais. Et c'est parce que tu as cette lumière en toi. Tu l'as acceptée et tu la partages avec d'autres. Et c'est ce que je dis à tout le monde que je rencontre. Shine. Brillez, acceptez que vous êtes une lumière, vous l'avez en vous, partagez avec les autres. Ouais. Sans condition. Absolument, je dis c'est l'amour inconditionnel et la lumière qui est la plus extraordinaire lumière qu'on peut imaginer. Qui est... Vraiment c'est gratuit, tout ça c'est gratuit, on l'a juste parce qu'on demande. Alors moi j'encourage les gens, demandez et vous recevrez. Comment tu vois le bonheur ? Parce que je sais que tout le monde te demande, qu'on te voit avec le sourire. Est-ce que c'est ça justement ? Est-ce que c'est cette lumière ? Est-ce que c'est cette présence ? C'est quoi ? Le bonheur, c'est vraiment cette sérénité intérieure. C'est psychique, c'est à l'intérieur de soi et c'est nous qui la cultivons. Il y a un petit bouton sur l'ordinateur qui dit « delete ». Et quand une mauvaise pensée vient à l'esprit, je dis toujours « pesez ce petit bouton ». C'est un travail à faire, ça ne vient pas naturellement et c'est parfois, on oublie. Et on commence à avoir des idées noires, on s'imagine qu'on va avoir un accident ou bien quelqu'un va venir nous voler. Ou... Toutes ces pensées négatives, il faut apprendre à peser le petit bouton. Delete, delete, delete. Et remplacer ça par quelque chose de bon. Je vais rencontrer quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de mon aide. Je vais me promener sur la plage aujourd'hui et je vais rencontrer quelqu'un à laquelle je vais sourire. Par exemple, l'autre jour, j'ai rencontré une petite dame très, très âgée. Elle marchait toute seule. Je me suis arrêtée un moment juste pour partager avec elle. Je lui ai fait des compliments pour sa robe, son chapeau. Je la sentais seule et le sourire seulement, le sourire qu'elle a eu après l'échange, c'est ma récompense. Quand je vois les gens heureux, ça me rend heureuse. Le bonheur, on l'a dans le cœur. C'est là qu'il habite. Et bon, c'est cette lumière divine, je suppose, qui nous donne le vrai bonheur. Le what I call the ultimate. Je ne sais pas comment on traduit. Le bonheur suprême. Le bonheur suprême, c'est ça. Et Ho'oponopono, tu l'utilises beaucoup. Ah oui, je voulais parler de Ho'oponopono. Parce que je parle du pardon. Alors les gens me demandent, mais comment vraiment peux-tu pardonner ? Il y a une prière hawaïenne qu'on appelle Ho'oponopono. Et c'est tellement simple, quatre petites phrases. D'abord, tu dis, je suis désolée. Je suis désolée de la situation que j'ai causée, peut-être moi, peut-être quelqu'un d'autre, mais je suis désolée que vous vous sentiez comme cela. Je vous demande pardon. C'est peut-être ma faute. Je ne sais pas, mais c'est peut-être ma faute. Donc, premièrement, je suis désolée. Ensuite, je vous demande pardon. La troisième petite phrase, c'est « Je vous aime, je t'aime. De toutes les façons, je continue à t'aimer. » Et la troisième, c'est « Merci. » Merci parce que cette situation que nous avons entre nous, ça m'apprend une leçon. Parce que c'est pourquoi nous sommes dans ce monde. Nous sommes en train de vivre une vie humaine.
pour les expériences. Nous apprenons des gens que nous rencontrons et nous partageons avec d'autres ce que nous avons appris. Donc, le Ho'oponopono, c'est répéter ça avec la personne en tête. On voit la personne devant soi et on dit « Je suis désolée. Pardonnez-moi. Je vous aime. Merci. » Ce sont ces quatre petits mots. Alors, je le répète comme une mantra. Mm-hmm. On le répète en gardant l'image de la personne. Je peux t'assurer, Lilou, que ça marche si bien pour moi. Tant de fois que je suis convaincue que c'est la méthode la plus facile pour résoudre les situations tenses, les situations qui sont vraiment bouleversantes parfois. On ne trouve pas de solution, on n'a qu'à se rappeler. Je suis désolée. Pardonne-moi. Je t'aime, merci. On le répète, c'est ça seulement. Ça, c'est le Ho'oponopono. C'est magique. La deuxième chose que je voulais mentionner, parce que plusieurs de mes amis que je pense savent tous mes secrets ou bien toutes mes petites... N'hésite pas à partager, c'est sûr. Il faut partager parce que parfois, on pense que les gens savent. Oh, j'ai pas besoin d'en parler parce que tout le monde est au courant. Non, 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 non. Ça s'appelle en anglais EFT. C'est... la technique de la liberté émotionnelle. Merci. Alors, EFT, c'est... on l'appelle aussi le tapping, mm-hmm. parce que ça touche les points, c'est comme de l'acupressure, et on dit, même si j'ai une douleur terrible, je traduis de l'anglais. Je m'accepte et je m'aime inconditionnellement. C'est tout ce qu'on dit. On répète. Même si j'ai mal à la tête, par exemple, ou bien j'ai mal au cœur, ça peut être une douleur psychique, ça peut être une douleur physique, mais on le répète. On dit, même si j'ai cette douleur à la tête, je m'accepte et je m'aime inconditionnellement. Alors, on tape ici d'abord, au-dessus de l'œil, ensuite sous l'œil, l'os, juste ici, ensuite entre la bouche et le nez, ensuite le menton, ensuite le truc là, cette partie, et juste sous le bras. Alors, on fait ça en séquence. On le fait plusieurs fois, on arrête. Je n'achète jamais de médicaments pour les maux de tête ou les maux de dos. Jamais. Je ne prends jamais ni d'aspirine, rien depuis des années parce que je fais le tapping ou le EFT et ça marche. Ça marche peut-être parce que j'y crois tellement, mais c'est pas de la magie. C'est un docteur qui a découvert ça et c'est formidable. Alors, je dis à mes amis, au lieu de prendre des pilules, tape. C'est vrai, ça marche. La troisième chose, c'est pour aider les gens. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais je ne veux pas oublier. Pour aider les gens à se détacher de quelqu'un qui leur est nocif, parce qu'il y a des gens qui ne devraient pas être dans notre vie. Mais si ce sont des membres de notre famille, c'est difficile de les enlever de notre vie. Ils existent. Si ce sont des voisins, ils sont dans notre vie, ils existent. Alors, pour se détacher d'eux, on fait ce qu'on appelle couper la corde. Parce qu'entre tout le monde, il y a des cordes psychiques que nous ne voyons pas. On est attaché devant, derrière, à côté. Et je l'ai fait récemment avec une jeune mariée qui avait malheureusement été, abandonnée à l'hôtel pratiquement. La veille du mariage, le jeune homme a décidé de ne plus se marier. Elle venait de la Californie, elle avait invité son père, sa belle-mère, ses amis. Elle avait une dizaine de personnes chez elle venues pour le mariage, pas de mariage. Elle est devenue pratiquement hystérique et ma sœur, qui avait préparé le gâteau de noces, m'a appelé, elle m'a dit, va aider cette jeune fille. Je lui ai demandé, est-ce que j'ai ta permission pour t'aider? Elle m'a dit, je ferai n'importe quoi, parce qu'elle se sentait, comme tu peux imaginer, délaissée, abandonnée, comme ça la veille de ton mariage. Je lui ai dit, va prendre une douche, change-toi, parce qu'elle était vraiment malheureuse. Je lui ai dit, imagine la personne qui t'a laissée en face de toi, prends ta main droite, comme une épée, avec la main gauche, attrape toutes les cordes psychiques qui t'attachent à ce jeune homme et coupe. Coupe
Coupe, tu ne lui fais pas du mal, tu veux juste l'envoyer dans la lumière. Envoie-le hors de ta vie, mais il faut couper non seulement devant, mais derrière, sur les côtés, en haut et en bas, tout autour de toi. Elle l'a fait et son père était assis là, il avait les larmes aux yeux. Parce que cette jeune fille s'est sentie de plus en plus forte. Alors je l'ai fait pendant au moins 15 minutes, c'est pas juste une fois qu'on doit le faire, il faut le faire over and over and over. Tu le fais, tu dis, je te bénis hors de ma vie. Je te bénis hors de ma vie, hors de ma vie, hors de ma vie. Je te jure, Lilou, que 3 ou 4 jours plus tard, je suis revenue voir cette jeune fille dans sa maison. Elle habite mon quartier. Enfin, sa mère habitait mon quartier. Elle m'a dit, Mimi, je te remercie du fond du cœur. Je te jure que je suis tout à fait guérie. J'ai même rencontré quelqu'un déjà. Je sais que ça ne va pas être permanent, mais pour le moment, je m'amuse follement. Un changement total de la personne. Elle m'a dit, parce que je lui avais conseillé de continuer à le faire. Je lui ai dit, ne pense pas que je fasse quoi. C'est pas de la magie. C'est juste un exercice psychique qui marche. Elle l'a fait avec beaucoup de conviction, volonté, courage. Elle s'y est mise à 100%. Et ben, ça marche. Ça marche pour quelqu'un qui est très proche de vous. Ça marche entre mère et fille. J'ai dû le faire avec une de mes filles que j'adore aujourd'hui, mais quand elle était un teenager et qu'elle me donnait plein de problèmes, je l'ai fait avec elle. Je l'ai remise au bon Dieu. J'ai dit, voilà, merci de m'avoir donné ce cadeau, mais maintenant, je vous la rends. Et j'ai coupé la corde avec elle. Coupé. Et je ne souffrais plus quand elle faisait des bêtises. Je n'avais pas ce désespoir au cœur qui me mettait à plat. Je me disais, non, c'est sa vie. Le bon Dieu me l'a donnée. Je l'ai élevée. J'ai fait de mon mieux. Maintenant, je n'en peux plus. Je dis, je vous la remets. Mm-hmm. Envoyez vos anges pour la garder. Mais couper la corde a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. On coupe les cordes. Alors voilà, ce sont les 3 choses que je voulais partager. Le Ho'oponopono, la technique EFT. De liberté... Comment ? Émotionnel, c'est ça, émotionnel. Et puis, l'exercice de couper la corde. Merci Mimi, merci beaucoup pour ta présence, surtout, plus que tout ça en fait, au-delà des mots de Mimi, c'est vraiment sa présence. Et je suis ravie de pouvoir partager et de faire cette vidéo en français, à Maui. Ben oui, j'aime beaucoup pouvoir parler dans ma langue, c'est ma langue maternelle, mais comme ça fait 40 ans que j'habite aux États-Unis, j'oublie un peu le français, mais ça me fait tellement plaisir de pouvoir faire quelque chose pour les francophones, oui. Parce qu'on est gâtés en Amérique, on a plein de personnes qui vous apprennent des trucs, mais oui. Je suis heureuse que tu me donnes l'opportunité de parler à ton groupe magnifique. C'est avec grand, grand bonheur et plaisir, Mimi. Je suis tellement ravie de t'avoir revue, d'avoir passé ce moment avec toi. Écoute, et puis là, qu'est-ce qu'on est bien? Tout est là. Merci Lilou. Merci. Merci à toi et merci à vous. Merci à vous, mes délicieux co-créateurs, quel que soit l'endroit dans le monde où vous êtes. Écoutez, Maui, peut-être vous attend un jour. Peut-être. Mimi est là. On vous attend à Maui. Ciao. Ciao. Aloha. Mahalo. Mahalo, c'est merci. Mahalo.